Allez, je fais 2 000 euros. Bon, bah, on est sur une nuit blanche, mon amour. Oh, ouais. Deuxième jour d'Ashley. On a dormi de minuit à minuit 45. C'était la sieste en pleine journée. Ouais. Non, mais ce jet lag, il est catastrophique. J'avais déjà eu ça un peu quand on était parti au Canada, mais là, c'est le pire jet lag que j'ai jamais eu. Sauf que là, on n'a pas dormi. Il est 6h46. Ouais. On va être fatigué. Oh putain. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Je veux dire demain, mais non, aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai attaqué une journée genre sans avoir dormi. Maman. Oui, Milo. I want to go down. You want to go down. Ok, bah tu vas en bas avec maman. Je vais dormir un petit peu. Je vais essayer de dormir. Viens. Bon courage. Viens. Maman, elle est en pleine forme. Fait la bagarre avec Spider-Man. Ah, c'est Spider-Man qui gagne. Non, c'est Hulk qui gagne. Non, c'est Hulk. Ah, il est 6h47. On va essayer de s'endormir. Je pense qu'avant qu'on s'endorme, il va être 7h30. Si on y arrive. 7h30 jusqu'à 10h30, ouais. 3 heures de sommeil. C'est la galère. Mais en vrai, 3 heures, ça se prend. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu bosser. J'avais pas bien travaillé à New York, etc., avec les petits tout. En fait, j'ai travaillé de nuit, mais tout le monde dort. J'étais tellement focus, j'ai tellement bien travaillé. Mais genre, j'étais trop inspiré, j'étais trop bien. Genre, maintenant, je me tête à bosser le soir. Genre tard, quand tout le monde dort. Parce que j'étais hyper productif, j'ai trop bien réussi, j'ai avancé sur ce que je voulais faire. Je travaille sur les films Paris, hein, notre marque de bijoux, parce que je vous avoue qu'on a pris beaucoup de retard et que je suis seul. Enfin, je suis seul. Voilà, enfin, j'ai plein de trucs à gérer solo et j'aimerais des fois être un peu plus entouré. Et je ne suis pas forcément. Du coup, là, j'ai bien avancé sur toutes les nouvelles collections, les nouveaux shootings, les nouveaux packaging, les nouveaux écrans, les trucs. Enfin, il y a tellement de trucs. Mais j'espère que ça va vous plaire ce qu'on va sortir. Franchement, Antoine a bossé dessus avec Yves et nous on trouve ça vraiment cool. Et aussi, il y a autre chose, je n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Tu sais, moi j'ai eu ma cheville, vous le savez, hein, j'ai eu ma fracture ouverte, enfin mes fractures ouvertes, tout, j'ai eu ma cheville, mon opération. Ça fait 1 an et demi maintenant, ça fait longtemps. Hein. Et quand je prends l'avion, donc je le sais avec l'altitude et tout, mais genre c'est ouf comment elle grossit encore. Genre, mais pendant 48 heures, genre elle est énorme. Genre, mais je comprends pas pourquoi. Donc là, ça va un peu mieux. Elle a un peu dégrossi, mais genre pendant. Ouais, genre presque 48 heures, genre. Pff, un pâté le truc. C'est trop bizarre. Pour partir à LA, j'ai fait des prises de sang, plein d'examens, etc. pour voir comment je vais, si tout va bien. Donc là, j'ai rendez-vous avec mon docteur pour faire un petit bilan. Vu qu'on a une vie active, de parents et de sportifs. Je trouve ça important qu'on se contrôle. Donc rendez-vous. Donc là, j'avoue, j'ai fait une nuit blanche. J'ai dormi 2 heures là, de 7h à 9h. Je suis claqué. Genre, j'ai mal au crâne. Ça fait 2 nuits que je dors pas. Putain, le jet lag, il est dur. De New York à Dubaï, j'avoue, c'est difficile. Donc j'espère que ce soir, on va réussir à passer une vraie nuit. C'est sur une météo vraiment plus cool. Ça fait plaisir, franchement, waouh, le kiff à Dubaï en ce moment. Donc c'est parti.